accorde. À l'époque de cette chanson, je n'étais pas née. Et d'ailleurs, lui non plus. Kevin a 23 ans, il est accordéoniste et il rêve de faire de l'accordéon son métier. J'ai commencé l'accordéon à l'âge de 19 ans. Ça fait 4 ans. Ça a commencé par une petite soirée de famille. J'animais les 60 ans à mon oncle. Ensuite, ma famille elle m'a encouragé à aller un peu plus loin. Je joue dans les EHPAD, dans les guinguettes, dans des mariages, des anniversaires et tout style de fêtes privées. Ça, c'est pas que je suis né à la mauvaise époque, mais je fais des choses assez originales pour mon âge, en fait. C'est vrai que l'accordéon, pour un homme de 23 ans, c'est un peu waouh. Au solo, moi je lance tango, tango. Je trouve ça assez entraînant, ça a un joli son en plus. Et on peut faire beaucoup de choses avec l'accordéon. C'est que du bonheur en fait. Quand je suis allée au bal, bon ben c'est comme ça. Hein. D'accord. C'était pas mieux. Hein. Il l'a gardé dans sa mémoire. Au fond de lui, ce petit coin de terre. On est de retour chez toi, là, c'est la pièce dans laquelle tu fais de la musique, c'est ça? C'est ça, je m'entraîne quand j'ai le temps. En première activité, je travaille à l'imprimerie Floc à Mayenne. Et parallèlement, depuis peu, depuis moins d'un an, en fait, j'essaye de me lancer dans la musique. Voilà. Mais je crois que tu t'es appris tout seul à jouer de cet instrument. Tout à fait, j'ai appris, donc c'est à l'oreille. J'écoutais une musique le matin, j'essayais de l'apprendre le soir. Et elle est sortie au niveau mélodie. La 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 la. Embarqué pour le Portugal. Et Kevin, bah, je vois qu'il y a d'autres accordéons aussi dans cette pièce. C'est ça, l'accordéon de famille en fait, où j'ai récupéré maintenant une dizaine d'années, où c'était l'accordéon de mon grand-père côté maternel. Et il est décédé quand j'avais un an en fait. Je l'ai très peu connu. J'aurais voulu qu'il soit là plus longtemps pour qu'il soit fier de moi. Mais je pense que là où il m'entend, je crois qu'il est fier, je pense. Salut mon fils. Ça va? Et papa? Tu viens de voir vite fait avant le travail. Bonjour. Maman. Tu vas bien, papy? Tu vas bien, toi? Ouais, nickel. En passant la voyant, lui dit viens donc à Paris, ma jolie. Les plaisirs. Et puis ça lui plaît, ça se voit que ça lui plaît. Donc oui, même les repas qu'on fait, il a tout le temps l'accordéon dans la voiture pour... Même en repas de famille. Je pense que c'est son style un peu troubadour, hein, de ce genre de choses. L'accordéon, c'est pas commun. Il aime bien faire des choses qui ne sont pas communes. Moi, je trouve que ça lui va bien, c'est super sympa. Lui dit bien donc à Paris, ma jolie, les plaisirs et les désirs te feront près vous des mots. Et qui ta jolie fleur de Java, on voudrait te garder pour toujours. On voudrait te garder pour toujours. Alors, si vous aimez la musique de Kevin, vous pouvez le contacter via sa page Facebook, Kevanime.